Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Total War Warhammer 2 en légendaire avec Orion, où on était resté au dernier épisode avec un let's play, déterminant pour la suite du let's play, puisque nous avions déclaré la guerre aux factions vampires, enfin. Et nous sommes partis dans une guerre avec nos alliés où on envahit du coup les territoires vampires et on va espérer une issue favorable. Donc, petit récapitulatif rapide pour ceux qui n'ont pas pu voir le dernier épisode. On avait donc récupéré mon fort, on avait fait une bataille en automatique avec trois armées. Il y avait l'armée de une des armées principales de la Légion du Tertre qui est venue du château de Bastogne en marche. On avait une petite armée de 10 ou 11 régiments de Karaxiflin qui est venue, plus la garnison de Montfort. Et nous, on était seulement avec notre armée d'Orion. Elle était faisable en auto, je l'ai fait. On a perdu beaucoup d'unités, on en a perdu 9, puisque là, on entend en recruter 3. Donc on en a perdu 9. On a gardé nos unités qui étaient XP, donc ça, c'est bien. Donc on a tous nos archers de base du début de la partie, nos forestiers, et puis nos guerriers faucons surtout. Et on a gardé nos rangers des bois, qui sont la meilleure unité qu'on ait en infanterie, en XP. Donc ça c'est cool, on n'a pas perdu notre sorcière. On avait du coup rapatrié cette armée-là pour nous donner les deux cavaliers sauvages, donner aussi les 4 gardes éternels. Vous me direz, je peux aussi les recruter, ils seraient directement en rang 3 si je fais ça, mais j'en aurai pour 4 tours, et j'ai pas envie de rester 4 tours enfermés. Donc on va faire ça, et une fois qu'on aura donné à lui les unités nécessaires, eh bien on ira prendre petit à petit mon fort. Et puis si on a fait, si on fait encore d'autres ruines, par exemple qu'on va prendre le château de Bastogne et qu'on le rase, on va voir comment on fait. Bon, il ne doit pas y avoir grand chose, ils n'ont plus d'armée, on va en profiter, il va falloir qu'on soit assez réactif. On avait repris aussi Caracas Garaz aux mains des Van Karstein. En automatique, pareil, pas de grosse bataille pour l'instant, pas besoin. On est en train de se régénérer et on va commencer à aller nous aussi sur le territoire vampire à Nuln pour essayer de donner un coup décisif à Vladimir. Sachant que la ville de Nuln, bon, elle est quand même bien fortifiée, ça va être compliqué de la prendre. Et on aura l'armée d'Elman Gorst, qui a l'air d'être une grosse armée avec du Terrorgaze, du Chevalier de Sang, du Vargulf, qui est à proximité et qui peut du coup venir... bientôt nous embêter. D'ailleurs, ce qu'on va faire, vous savez quoi, on va aller prendre le taux de reconstitution et pour l'instant on va prendre la garnison au cas où. Voilà, donc grosse bataille à venir également entre Widriot et Morat Geroff, là qui va arriver dès, donc on va laisser le mode de défilement normal, et puis Durtu qui va s'attaquer aux contes vampires, donc les factions elfes qui sont uniquement en guerre contre les contes vampires et pas contre les Van Karstein ni contre la Légion du Tertre, donc ça c'est que nous. On avait fait un petit stratagème qui avait à moitié fonctionné, puisqu'on était, le but c'était pas de déclarer la guerre à Moussillon, chose qui s'était passée, sauf que Moussillon, j'ai l'impression, sont en train de se faire reprendre les provinces par couronne, donc finalement c'était pas une très bonne idée. Et puis aussi, point très important, le chêne des âges dans 3 tours qui va nous permettre la confédération tout d'abord avec le pic de Findol qu'on avait choisi pour pouvoir avoir le masque du trompeur qui allait pouvoir nous permettre de commercer avec les factions non elfiques. Donc pour ça il va falloir qu'on désaffecte le héros dans 2 tours, puisque je vous rappelle que quand on le désaffecte il faut 1 tour avant qu'il puisse se réaffecter. Donc dans 2 tours on le désaffecte, comme ça on passe le tour. On aura de disponible ce nouveau bâtiment pour le masque du trompeur et on va le réaffecter. Et d'ailleurs, avant de dire ça, je vais regarder si le bâtiment, ils l'ont bien. Parce que s'ils l'ont pas, ça sert à rien. Alors, et j'ai pas l'impression qu'il l'est. Hein. Et bah écoutez, ils ne l'ont pas. Comme ça, au moins, c'est réglé. On va pas pouvoir commercer tout de suite. Bon, on avait économiquement... renfloué un peu les caisses aussi au dernier épisode. Donc ça va faire plaisir. On est repassé à 144 000. Donc on a le temps de voir un peu venir. Eh bien écoutez, on va passer. Petite guerre déclarée aussi entre la flotte de la Terreur et les hommes bêtes, qu'on suivra bien entendu. Lauterne. Bon, bah Lauterne, on verra ce qui se passe. Pour l'instant, ils ont l'air de. Ça a l'air de stagner un peu avec eux au niveau des relations diplomatiques. Le commerce aidera, je pense. Alors. On va s'arrêter et on va surtout regarder ce qui se passe au niveau donc des contes vampires et de la côte vampire, ça va être bientôt. Moi je pense que les Van Karstein vont fuir devant les armées elfes, hein, mais après à voir. Alors l'Empire, bon ben voilà, l'Empire, ça me fait plaisir.
Ça me fait plaisir de vous voir un peu offensif et pas uniquement sur la défensive là. Marion Bourque a été pris aussi par les Norse, par la Norska, ça c'est embêtant. Parce que c'est une ville qui aurait fait du bien, je pense, à l'Empire aussi, économiquement. Il y a du pot verte aussi qui traîne. Ça serait bien qu'ils confédèrent. Je crois que c'est Lost Land, ça. Ou le Nordland. Donc bon, ils sont en train d'assiéger à plusieurs. On avait découvert les nains aussi dans un épisode avec qui on avait fait... Alors, je sais plus si on avait fait un pacte, il va falloir qu'on regarde. La faction principale des nains. Allez, on va arriver sur ce qui est intéressant, la Sylvanie. Que va-t-il se passer? Allez, ça fuit du côté de Helmandgorst. C'est bien pour nous. Ah, ça veut attaquer Durtu à deux. Allez, Durtu résiste, mon petit. Ah, Durtu, j'ai l'impression qu'il a fui. Ah, il a pas fui, non, il s'est fait éclater, je pense. Parce que mode racine du monde, on peut pas fuir. Ah non, si, il a réussi à fuir, moi. Allez, ça repart. Voilà, Durtu, adieu. Voilà, Durtu qui s'est fait éclater. Oh là là, ils ont rien perdu. Hein. C'est dur de voir ça. Allez, au moins, Widriot, faites-nous plaisir. Ils sont en mode marche. Ils vous ont contourné. Ouais, je pense que vous aurez jamais la range. Bon, ben, pour l'instant, échec cuisant de la part des factions. Après, il avait une armée de merde, hein, Durtu, avec beaucoup de dryades. Allez, ça fait plaisir. L'Empire qui a pris Talabane. La Légion du Tertre. Alors, est-ce que la Légion du Tertre va attaquer Wright? Ouais. Ils vont attaquer Elhart, plutôt. Donc là, ils sont en train de prendre petit à petit les terres de l'Empire. Il va falloir vraiment les repousser d'ici, déjà. Ouais, c'est dur, hein, ce qui s'est passé avec Durtu, là. Ça fait mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, donc ils sont en train de nous protéger, ça c'est bien, parce que bon, la clairière royale, on a quand même une belle armée. On va quand même être... Je pense pas qu'ils puissent aller au Seine déjà dans deux tours, là. Même en mode marche, ils pourront pas y être en deux tours, je pense. Et puis on aura l'armée de Dace pour ça. On va garder l'armée de Dace pour l'instant. Bon, ici, ils sont en train de... Ce serait pas mal que vous recrutiez, là, du coup. Avec des nouvelles unités. Parfait. On va être en mode marche. Allez, on se régène full. On sera full dans un tour. Donc, on a dit qu'on donne les deux cavaleries. On donne les 4 ici. Et du coup, ça nous met à 20 sur 20. Est-ce que j'enlèverais peut-être une unité ici pour ajouter encore une petite unité d'archer? Bon, ça me paraît pas mal quand même. On a 5 unités d'archer plus les guerriers faucons. Je pense qu'on n'est pas si mal. Je pense qu'on n'est pas si mal. Après, ouais, est-ce que j'enlèverais pas quand même un? Non, on a de la cavalerie, il nous faut de la frontline. Non, ça m'a l'air d'être pas mal là comme ça. Pour le moment. Ok, donc toi tu vas aller te mettre, ben tu vas continuer ton expansion, hein, tu vas te mettre ici, puisque tu vas reprendre mon fort bientôt. Et toi, prochain tour, on te dégage. Alors là, ça a l'air d'être parti. Est-ce qu'on peut se mettre en mode embuscade? Oui. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu te mettes ici, 30%. On se rapproche de nul, on se met en embuscade, et on espère que les vampires tombent dedans, sachant que là, grosse armée, mais nous aussi, on a des sorts de l'épine, on a pas pro XP, mais on a notre Tralant qui est homme arbre, qui perce armure, qui a de la magie, donc ça va être une grosse bataille, je pense. Toi, tu continues à stabiliser un peu l'ordre public ici, la technologie, on attend, on a 5 d'ambes pour l'instant, on va les garder en rab. Qui nous rapporterait en fait beaucoup de...
Ouais, putain, l'OTR, hein, 31, ça va être vraiment dur de faire une alliance avec eux, je pense. Et ça a l'air de baisser. Pourquoi ça baisse? Traité avec la flotte de la Terreur et avec Moussillon. Ouais, désolé, mon petit chou. Hein, mais... Est-ce que si je te fais un petit... Je fais un petit cadeau, tiens. Je te fais un cadeau moyen. Un petit cadeau moyen à 8000. Histoire 2. Juste, voilà, histoire de monter un peu les relations. Là, ça monte à 37. 8000 de cadeau, il va être content. Moi, ça me coûte pas grand-chose, 8000. Et on va repasser le tour. En espérant que l'embuscade ne soit pas découverte. Donc on va faire pareil, toujours un point. Confédération Nagaron des Arganets. Allez, Lothern aura trouvé un ennemi de taille avec qui il va être occupé. Comme dans chaque. Comme dans beaucoup de parties. Hein. Les pirates de Sartosa, on s'en fout un peu. Allez, l'Empire, faites-moi encore plaisir, faites-nous rêver. Attaquez les du flanc nord, nickel. Par contre... Ah, ils attaquent les factions peau verte. Ouais, ils les ont déglingués. C'est bien, prendre l'XP. Là, ça va être compliqué pour vous, et Art, je pense, va tomber. Allez, c'est bien, régénérez-vous, enfin, remettez-vous là, on se régène. Faut vraiment pas perdre Aldor, c'est tout ce qu'il faut. Oh, les nains qui sont en train de prendre tellement cher. Le clan de Gronde est plus fort que les nains, quoi. Bon, allez, l'Empire en optimiste. Allez, la Sylvanie, qui ont perdu un peu en rang de puissance, j'ai l'impression. Ok, donc c'est bon, ils descendent. C'est pas pour nous. J'avais peur qu'ils aillent ici. Oh, d'éclater le clan de Gronde. Mais j'ai l'impression qu'ils vont se prendre choper par Widriot. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire? Ok, ça descend, ça se replie du côté vampire, donc ça c'est pas mal. Au niveau des ventes Karstein, ah, et ça fuit aussi. Ça nous laisse un peu le terrain libre. Donc c'est pas si mal. C'est encore la Bretonique, tu me veux? Non, toujours pas. Allez, Moussillon dégagé. Moussillon qui nous aime bien encore, hein. Malgré le fait qu'on ait déclaré la guerre un peu à tous ses potes. Ok, alors. Qu'on regarde un peu ce qu'il y a. Ouais, ils ont la range au niveau de Vladimir. Alors, Kamperbad, il y a quoi? Il n'y a rien à Kamperbad. Si, il y a une petite garnison. Et à Wissenbourg, il y a quoi? Il n'y a rien du tout non plus. Par contre, il y a les armées contre vampires qui sont à côté avec Elmangors qui est par là. Donc c'est un peu chaud. Éventuellement, est-ce que faudrait peut-être pas aller sur Kemmler ici? Je pense que Kemmler, ça serait pas mal d'y aller. On va se remettre en mode embuscade encore. Je pense qu'il va aller essayer d'attaquer Emgart. Donc là, si on se met en mode embuscade tranquillement... Dis-moi, il y a une garnison. Il y a une garnison en plus. Donc ça, c'est parfait. C'est-à-dire qu'ils peuvent essayer d'assiéger. Ils pourront pas le faire en un tour, je pense. En plus, c'est-à-dire qu'eux peuvent remonter vers Caracas-Garaz. Après, là, on est tranquille. Donc du coup, on va aller choper Montfort. On colonise. On prend la ville. Et là, on va aller du coup en mode... Racine du monde, ici, pas subir d'usure. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que, voilà, ça s'améliore beaucoup avec la Bretonie. Est-ce qu'on se ferait pas une petite alliance, j'allais dire, avec la Bretonie?
pourrait être pas mal. Ils sont en train de reprendre petit à petit leurs terres. On a été en guerre, mes petits bretonniens, mais je vais bien vous aider après. On va voir comment ça se passe, mais... par contre, mes potes sont pas, seraient pas contents, je pense. Hein. Ouais, je peux pas leur faire faire un traité de paix, quoi. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Allez, 119 000 de thunes, on est à moins 6 000 par tour. On est toujours à moins 2 à la clairière royale. Dans un tour, on a enfin la confédération. Là, pareil, économiquement, ça va nous faire du bien, je pense. Enfin, ça va nous faire du mal au début. Ils ont pas la range pour l'instant, donc allez continuer, hein. Ok, et eh ben on va repasser le tour. Et on va regarder ce qui se passe surtout ici. Continuez, c'est bien à prendre les villes, vous. Château de Bastogne, ça m'embête si vous allez le prendre par contre. Et vous allez sûrement aller le prendre. Du coup, il faudra que j'aille peut-être au poste de la pierre noire. Ça me dérange pas de leur laisser le château de Bastogne à la Bretonnie. Il faut que je m'en fasse des alliés par contre. Ah, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu non plus, ça fait plaisir de voir des petites choses comme ça, des petits événements. Retour de la Bretonnie, qui mine de rien a attendu tranquillement que la guerre se fasse ailleurs, et qui profite un peu des conflits pour se refaire une santé. Ça fait plaisir. Et si je vois qu'ils commencent à revenir bien, je vais leur filer un peu de thunes. Histoire qu'ils puissent se refaire quelques armées et qu'ils viennent nous aider aux croisades contre les contes vampires. Et puis automatiquement, si je fais une alliance avec eux, ben mes potes vont automatiquement... Enfin, les relations vont s'améliorer avec mes alliés. Allez. Ok, bon. Ils dégagent cette armée de Volkmar, mais ils ont encore deux armées ici. Nous, pareil, ce qui va nous intéresser, ça va être encore les factions vampires. Allez, en commençant par la Sylvanie. Donc ça se réimplante. Je vais essayer de faire héros. On va mettre 100 cinématiques pour les héros. Je m'en fous complètement. Voilà, c'est les armées qui m'intéressent. Allez, est-ce que vous allez vous empaler? Non, ils partent en bonne marche. Bon, on va passer... Pareil, les Vankerstein, les héros, ça m'intéresse absolument pas. Montrez-moi ce que font les armées Vankerstein, ça m'intéressera déjà un peu plus. Légion du Tertre, c'est pareil, on va mettre... Ah, ils ont déjoué mon embuscade, donc ça c'est moins bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire du coup? Alors pareil, on va le faire juste pour les trois factions vampires. Ah, ils sont mis en mode embuscade, j'ai l'impression. Ouais. Ils se sont mis en mode embuscade, les coquins. Et j'ai bien envie d'aller les chercher, de me prendre une embuscade. Parce que je pense que ça peut être pas mal. En plus, si je peux commercer avec la Bretonnie, ça peut être pas mal. Les Norse, c'est Nagarond qui se déclare la guerre. Bon, Widriot, on s'en fout un peu pour l'instant. Puisque ça va être moi, Widriot. J'espère. J'espère que la confédération va être possible, d'ailleurs, tout de suite. Dans les cœurs de vos ennemis, puissant seigneur. Les plus sages d'entre eux sauront que la fortune est de votre côté. J'en ai eu la vision. Alors, on va déjà regarder au niveau de la garnison du chêne des âges. Ah, le chêne des âges qui a changé de skin, hein, regardez. Il devient joli. Et au niveau de la garnison, on est enfin passé à 16 sur 20. Et on a de quoi se défendre un peu mieux contre quelques incursions qu'on n'aurait pas prévues. Bon, du coup, il nous reste à savoir avec qui on va confédérer. Qu'on va confédérer. Alors, hop, je regarde juste quelque chose. Bon, déjà, toi, on va te donner un niveau. Alors, hop, on va donner les tirs perçants, je pense. On va monter un petit peu ça.
Ok, donc nous, le bâtiment qu'il nous faut, c'est le masque du trompeur. Cette fonction sera disponible quand vous aurez construit le bâtiment suivant salle du festin des danseurs de guerre. Ok, et ben on va partir. Alors, est-ce que c'est bien eux qui l'ont quand même, hein, ce bâtiment-là? Ah, c'est vrai que je peux pas le voir, ça. Je peux pas le voir. Suis en train de regarder. Bon, si vous avez 2 petites secondes, je vais faire une petite recherche parce que j'ai pas envie de me tromper quand même. Il me semble que c'est Widriot. Mais j'ai pas envie de me tromper, donc on avait dit que de toute façon on confédère avec Widriot si c'était ça. On les avait envoyés ici, donc on aurait éventuellement cette armée en plus. Je vais quand même vérifier. On aurait Grimmauld aussi en plus. Alors, je vais taper. Donc c'est salle du danseur de guerre. Hop, hop. Ah, bah ils me mettent Arguilon. D'accord, bon bah du coup j'ai bien fait de regarder, ça veut dire qu'il faut qu'on fédère avec notre ami Durtu. Est-ce que Durtu... Alors la grande question c'est est-ce que Durtu est revenu? Parce que si Durtu n'est pas revenu, j'ai peur de ne pas l'avoir en fait. Et ça m'embête. Donc est-ce que je vais attendre un peu pour confédérer? Parce que ça c'est la grande question, est-ce que je peux confédérer... Si je confédère avec lui, est-ce que j'ai Durtu? Qui vient de se faire éclater, on le rappelle. Ça me ferait chier de confédérer avec lui et pas de l'avoir. Je vais attendre qu'il revienne, hein, je pense. Je vais attendre de l'avoir, donc on va attendre un peu avant de confédérer, c'est chiant. Hein. Est-ce qu'il serait d'avoir déjà pour confédérer? Ouais. Ok. On va l'attendre à notre ami Durtu. Hein. Après là, qu'est-ce qu'ils me mettent? Est-ce que si je veux faire recruter un seigneur... Non, ils me mettent pas Durtu de toute façon, donc... Ils auraient pu me le mettre en grisé en mettant nécessaire d'avoir le palais des chutes, par exemple. Mais ils me le mettent pas, donc je suis obligé d'attendre avant de confédérer, c'est un peu chiant. Donc on pourra pas commercer tout de suite. Ici, on est quand même sur une frontière, on va mettre la petite garnison. Ah, faut pas oublier du coup qu'on a l'embuscade ici aussi. Allez, direction le château de Bastogne. La Bretonnie l'a pas pris, tant pis pour eux. On va se construire un petit bélier. On aime ça. Donc on sera à moins 6 000 pour l'instant. Hein. Hop. Et la grande question c'est est-ce qu'on va faire cette petite bataille ou pas? J'ai bien envie de la faire quand même. Hein. On a quand même 6 archers. 8 avec les serres de l'épine. On a de la magie. On a 6 anti-larges. Franchement, je pense que même. On va tomber dans l'embuscade, hein, je pense. Ou alors on se met nous-mêmes en embuscade. C'est quand même l'armée de Kemmler, hein. Donc théoriquement l'armée de Kemmler c'est une grosse armée. Je suis pas bien XP non plus. Ouais, je peux pas mettre en embuscade. Après ils ont pas d'archer, hein. Go hein. Go go go. On est parti. Donc malheureusement pour nous, l'embuscade a réussi chez eux. Mais bon, comme ils n'ont pas d'archer. Va falloir qu'on fasse une belle frontline sur notre archerie, vraiment qu'on les fasse replier au plus vite. Ça va être une belle bataille, je pense. Qu'on peut perdre, hein, bien entendu.
Allez, go. On vous met là. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous, vous veniez là. Vous, vous veniez là. Allez, go. Ok, toi. Tu vas aller me faire un petit sort ici. Ok, encore ça là-bas de l'autre côté. Vous, vous allez venir ici. Allez, go. Vous, attaquez-moi ça. Vous, venez là. Allez, tu vas me faire ça là. Allez, on continue sur le zombie là. Ok, donc ça c'est parfait. Allez, go ici. Allez, c'est pas facile. On résiste. Tu vas me balancer un coup de heal ici. Allez, c'est la grosse boulette de ce côté-là. Vous, vous allez m'attaquer ça. Garde éternelle ici. Allez, ça c'est bien. Les danseurs de guerre, revenez ici. On prend quand même relativement cher, hein. Il y a quand même beaucoup de zombies. Allez, sur les gardes des cryptes, tous là. Vous allez vous mettre là. Allez, go. Allez, go. Notre front line prend quand même relativement cher. Allez, on va mettre un petit coup de heal ici. Allez, les zombies, on s'en fout. Toi, tu vas me booster ça. Allez, booste-moi ça. On n'a plus de magie. Allez, pareil, on va faire encore un petit coup de heal ici. Encore un petit debuff là. Vous essayez de me focus les gardes des cryptes. On se fait éclater quand même, hein, contre les comptes vampires. Je m'attendais pas à ça quand même. Même si on n'était pas très bien placé. On va faire une petite charge avec elle.
Bon, on sait que c'est pas les mieux hein, pour flank. Allez, venez ici. Passez en mode là. Allez, dégagez d'ici. Essayez de garder décrypte ici, go. Allez, on dégage. Là, c'est quoi? C'est Krell. Il est où Kemmler là? Allez, chargez-moi ces gardes décryptes là. Go. Allez, toi balance-moi un coup d'œil d'ici là. Ouais, j'ai plus de munitions. Allez, on continue ici. Vous allez moto-boost les deux là. En fait, ils ont trop de héros, j'ai l'impression. Il y a du zombie ici. Putain, ils font pop du zombie encore en masse. Faudrait dégager ici. Là, faudrait faire un petit coup de heal ici. Vous venez dans le heal. Vous venez dans le heal. Putain. Allez, essayez de venir ici. C'est encore des gardes décryptes. Voilà, vous reculez. Attends, c'est encore des zombies. Dégagez de là, on va faire le tour. C'est quoi là? Charrette macabre. Allez, vous allez me charger ici. Ah, là, le moral est en train de flancher chez nous. Allez, dégagez d'ici. Est-ce que vous avez encore un... Ouais, vous avez pas de sort de heal. Ni l'une ni l'autre. C'est quand même bien fait submerger hein. Allez, faut sortir de là. On l'aura bien perdu celle-là hein. Allez, ça fuit de partout. Allez, ça sert à rien de continuer. On se sera fait éclater. Bon, on était pris en embuscade, hein. Ah, hop. Si, j'en perds ma souris. Bon, les sortes d'épines qui ont fait un gros taf, après on était combien? Ils étaient moins que nous, hein. Qu'est-ce qui a fait du gros taf chez eux, en fait? Leur roi revenant, et puis leur ghoul des... leur garde des cryptes, hein. Leur garde des cryptes, Krangold. On sera quand même bien défendu pour une bataille en embuscade. Après, c'est vrai que c'est leur seigneur qu'on fait le taf aussi. Nos archers qui ont bien taffé, hein. Rien à dire là-dessus. Après, leur ghoul décrypte qu'on fait un peu de dégâts. Leurs horreurs décrypte, pardon. Après, c'est leur spot de zombies, là. Il y a Krell plus les spots de zombies de Kemmler qu'on fait. Tous les nécros aussi, d'ailleurs. On a quand même réussi à en péter un. C'est vrai, quand je vois le nombre de dégâts qu'on a fait, regardez ça.
200, ils ont déployé que 1100, et rien qu'avec les trois là, on est déjà à presque 800. Imaginez le nombre de zombies qu'il y a eu sur le champ de bataille qui nous ont submergés. Ils ont très bien géré leur coup. Hein. On n'a pas totalement perdu. On n'a pas perdu les soldes d'épine, ça c'est bien. Donc en fait, on a perdu que. Donc, ce qu'on va faire, hop. On va aller se mettre en mode marche là-bas. Et on va les régénérer. On a quand même pris un niveau. On a pris un niveau branche incisif, dégâts formant pour les dryades. Donc ça pour l'instant on s'en fout un peu. On va prendre les réserves magiques parce qu'on manquait de beaucoup de magie là, on l'a vu. Hein. On l'a vu. Bon, on a plus que 3000 du coup, ça c'est aussi l'avantage. Donc là on était à un tour. J'ai dit qu'on attendait Durtu avant de confédérer, je veux pas le perdre. À Montfort, est-ce qu'on pourrait pas recruter un petit coup quand même? Parce que bon, il y a. Oh, ils peuvent pas y être le prochain tour, j'ai l'impression. Est-ce que moi, du coup, je pourrais pas faire un petit recrutement où on laisse tomber la ville? Plutôt de mettre à Paravon, et on va recruter à Paravon, je pense. On va recruter à Paravon. On va se prendre une frontline. On va faire ça pour l'instant. Toi, il faudra peut-être que je te réintègre bientôt. Bon, pour l'instant, on est en ordre public stable, donc ça, c'est bien. Et bah écoutez, on va passer le tour. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, en fait. Hein. On va s'arrêter là pour cet épisode, qui aura été quand même relativement long. On n'aura pas confédéré. On va attendre que Durtu revienne, comme je vous l'ai dit. Une fois que Durtu est revenu, on aura le masque du trompeur, on pourra commercer, on aura Durtu. C'est cool. C'est cool d'avoir Durtu. Et puis du coup ben on va continuer notre raid. Alors j'ai vu quand même que mine de rien c'est pas si facile que ça hein, contre les vampires. Alors certes on était en bataille d'embuscade, certes on leur a quand même fait mal, mais pas tant que ça. Je pense qu'avec cette armée là ça aurait été quand même mieux avec de la cave, de la vraie cave, et puis des archers rang gold avec un peu de magie et puis Arion. Mais bon, je suis même pas totalement sûr, donc on va vraiment être dépendant des hommes arbres et des dragons des forêts. Voilà donc pour cet épisode. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un petit like hein, si vous avez aimé. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures d'Orion contre les contes vampires. À bientôt.